Coucou les amis, je recommence la vidéo. Je suis là pour les énergies du mois d'avril concernant les Verseaux. Donc le même blabla que tout le monde, c'est-à-dire c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas de consulter vos signes ascendants, vos signes lunaires, etc. pour avoir un peu plus d'informations. J'ai dû recommencer la vidéo parce que j'avais plus de batterie et que ça a coupé. Donc vous allez voir, il y a déjà les cartes qui sont retournées sur la table, enfin quelques-unes. M'en voulez pas, c'est comme ça. Hein, voilà, ça a coupé, mais j'allais pas tout recommencer. Voilà. Allez, je vous emmène avec moi. N'oubliez pas que si vous voulez une consultation en privé, vous pouvez me joindre via les réseaux sociaux ou mon adresse mail. Je donne toujours les vidéoconférences et les appels téléphoniques pour les consultations privées. Je vous emmène avec moi. Allez, hop, hop, hop. C'est parti, les effets spéciaux. Allez, on y va, c'est parti. Ici, pour les Verseaux, on a un mois où on va devoir faire des compromis. C'est un mal pour un bien, c'est pas forcément quelque chose que l'on voulait. C'est un compromis qui nous semble être un petit peu une trahison. On va devoir accepter certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, mais on prend vraiment ça comme une trahison. C'est-à-dire que, oui, ok, je vais accepter... on va en discuter, je vais vraiment le faire, on va trouver un accord, c'est une chance, ok. Par contre, je prends vraiment ça comme quelque chose où on m'a planté un couteau dans le dos, où on ne m'a pas laissé le choix. On voit qu'avec la chance, la parole et l'amour, il y a vraiment quelque chose de beau, hein. On résout hein, franchement beaucoup de soucis. Mais j'ai l'impression quand même qu'ici, ça va parler peut-être d'enfants, d'accord ? Dans, au sein d'une relation, ça va parler de faire des choix aussi par rapport à une relation. Il y a vraiment des choix à faire par rapport à une relation, par rapport au don de soi aussi, quelque part. La façon dont on a de donner les choses. Il va falloir beaucoup parler, beaucoup discuter pour obtenir un compromis, une négociation, hein, quelque chose qui va de l'avant. On voit ici qu'avec chance, vous allez obtenir ce que vous désirez. Hein. Vraiment, ici, c'est le coup de maître un peu du destin, hein, c'est vous allez obtenir ce que vous désirez malgré que vous vous sentez un peu trahi. Ça pourrait être en tout cas concerné le domaine sentimental puisqu'on a l'amour. On voit que avec l'amour ou peut-être le soutien, en tout cas ça finira très bien. Il y a la chance, il y a l'amour, il y a la prise de parole, il y a l'évolution. Il n'y a que cette petite carte de trahison qui est un petit peu négative dans votre tirage. Où il va falloir faire des choix ici, comme cette carte du compromis, il va falloir faire des choix, choisir le bon chemin sans vous soucier si c'est quelque chose qui a été fait exprès ou non. Ici, il y a vraiment cette notion, vous avez l'impression d'avoir été trahi, que vous n'avez vraiment pas le choix, que vous devez accepter pour pouvoir avancer, mais ce n'est pas forcément le cas. On vous dit aussi qu'il va falloir faire des choix par rapport à un enfant ou par rapport à un enfant, peut-être un être, par rapport à une situation qui concerne un enfant ou éventuellement le choix par rapport à une personne immature, quelqu'un qui serait dans le don de soi peut-être. Voilà un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que vous avez quand même un bon tirage. Hein. Vous avez quand même quelque chose de plutôt positif. Hein. On prend la parole pour évoluer, on prend la parole pour aller vers l'amour. Peut-être que cette trahison, on va aller mettre quand même... Je vais prendre l'oracle de Sceaux pour aller mettre une petite carte complémentaire. Parce que ici... je vois pas forcément trop de négatif. C'est comme si c'était vous qui n'acceptiez pas la situation. En fait, ce compromis, vous sentez un petit peu obligé de l'accepter face à cette trahison. Alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Allez, on va aller mettre une petite carte de l'oracle de Sceaux pour avoir un peu plus d'informations. Alors. Et on a la carte de l'automne. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur une situation et vous n'étiez pas prêt à lâcher prise. Vous vouliez pas donner votre accord, mais vous allez être dans l'obligation de lâcher prise, laisser les choses aller pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion-là pour vous au mois d'avril, les Verseaux. Vous devez lâcher prise, vous devez laisser aller certaines choses, vous n'aurez pas le choix, laissez les choses aller. Ça concernera certainement un enfant ou en tout cas une situation de vie de couple ou quelque chose comme ça pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir du côté sentimental et ici, on a l'amitié, les aimants et les perturbations. On a le nom, l'adultère et le choix. Ah, alors voyez, je vous disais quelque part qu'il y avait peut-être aussi quelque chose de l'ordre, il va falloir faire des choix en amour ou les choix par rapport à un enfant. Ici, on nous parle d'amitié. Il y a peut-être une relation qui est en cours. Hein, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas forcément très sincère ou en tout cas qui a de l'attirance pour quelqu'un
de votre cercle amical. Ça cause beaucoup de perturbations. Ici, on voit quand même l'adultère, la tromperie, quelqu'un qui porte le masque. On vous dit qu'il y a un non dans cette histoire et qu'il va falloir faire des choix. Avec cette carte de la trahison et des compromis, il y a certainement des compromis à faire sur le fait de... d'être avec la bonne personne ou pas. Il y a peut-être des adultères, quelqu'un qui porte le masque dans cette relation et qu'il est temps de dévoiler. Attention mes chers célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas par le cercle de vos amitiés, il se pourrait que cette personne ne soit pas très honnête et qu'elle crée plus surtout des perturbations. Effectivement, elle sera très attirante, mais elle pourrait éventuellement vous faire beaucoup de mal et vous allez devoir prendre une décision avec votre âme et faire des choix par la suite. Pour nos amis qui sont en couple, c'est pas franchement super. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les Verseaux ne vont pas se séparer. Ici, je n'ai pas cette notion de séparation, mais j'ai juste cette notion d'adultère et de trahison. Peut-être vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes vous a menti ou trahi dans le sens où elle ne vous a pas dit toute la vérité. En tout cas, on peut... par exemple, penser qu'il y a de la trahison quand on ne nous dit pas tout. Voilà. Des fois, ça peut être un mensonge par omission. Comment dire ? Par exemple, si vous dites à votre chérie « Ouais, je suis sortie avec mes copines », vous n'avez pas été lui dire « Oui, je suis sortie avec mes copines dans une boîte de striptease ». Voilà. Vous avez dit les choses, mais pas peut-être au complet. Donc, il y aura peut-être la découverte. En tout cas, on découvre peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et il y a la carte des choix, la carte des compromis qui sort. Donc, on va falloir faire des choix sur ce qu'on veut vraiment dans sa vie. On va aller voir... Et on nous parle de changement avec la carte de l'oracle de la lune. On nous parle de changement. Il est temps de faire du changement dans votre vie. Il est temps d'avancer, il est temps d'évoluer vers quelque chose qui vous correspond plus. Il est temps peut-être de balayer certaines histoires de votre passé, de faire des compromis avec vous-même et d'accepter que certaines choses ne fonctionnent pas. En tout cas, on vous parle de grands changements. On pousse la lune, suivez votre intuition les amis, mettez peut-être un peu votre colère de côté. Il y a beaucoup d'amour néanmoins quand même dans ce tirage, hein. Il y a beaucoup de chance, hein. Les changements ils vont être bénéfiques, hein. C'est vraiment un mal pour un bien, en tout cas les Verseaux. Donc voilà mes petits amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous aidera pour le mois d'avril. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et me laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, à bientôt !